Bonsoir. Vous pouvez venir ? Je vais vous apprendre à danser, c'est même prévu pour débutants. On va faire gauche-droite-gauche-droite-gauche-droite. Gauche-droite-gauche-droite-gauche-droite. Ça, c'est pour ceux qui sont latéralisés. Pour ceux qui ne sont pas latéralisés, mais qui ont le permis de conduire. Comme toi, par exemple. Vous faites embrayage-accélérateur-embrayage, accélérateur-embrayage-accélérateur. D'accord ? Pour ceux qui n'ont pas le permis, ceux qui sont piétons, par exemple comme vous, hein ? En Bretagne, on dit ceux qui se sont fait retirer le permis. Vous faites montre-gourmette-montre, gourmette-montre-gourmette. Si vous n'êtes pas daltonien, on a des petites gommettes de couleur. La gommette jaune sur le pied gauche et la gommette verte sur le pied droit. Donc on est parti ? Jaune, vert, jaune, vert, jaune, vert. Jaune, vert, jaune, vert, jaune, vert. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il n'y a pas de scène, c'est à domicile, c'est chez les gens. Voilà, ça s'adresse vraiment à tous. Et puis, lui, il se met au milieu avec son saxophone baryton. Et rien que ce contexte-là, déjà, ça change, quoi. Au niveau d'une mise en scène, on n'a pas du tout une assistance qui va regarder un spectacle en restant bien dans son fauteuil. Là, c'est une invitation à la danse, donc c'est vraiment à se mélanger, quoi. Et je pense que Ronan, pour lui, ce spectacle, l'idée, c'est d'aller au cœur de la meule, d'aller vraiment au cœur des gens. Et en plus, il y a une sorte d'échange obligatoire. C'est « faites-moi monter, je vous fais monter ». C'est le côté un peu trans, c'est le côté un peu chouette, quoi, où ça participe de tous les côtés. Qui c'est qui a mis du sel dans le beurre ? Et là, forcément, une seule personne a répondu, c'est le breton, il a dit, c'est pas moi. Et là, l'assistance de désolation a fait... Pfff. Et donc, de cette petite rencontre gastronomique interrégionale, il ne nous reste plus que ce fameux petit mouvement de bras qui fait, hop, hop, c'est pas moi, désolation. Hop, hop, c'est pas moi, désolation. Alors, la bourrée à trois temps, on va la faire sur deux lignes. Avancer, croiser, traverser, tourner. Avancer, croiser, traverser, tourner. Avancer, poteau, reculer, poser. Avancer, poteau, reculer, poser. Pour la position des bras, vous adoptez la technique des moufles pour les mains. Moufle serrée, quoi. Une moufle serrée, voilà. Un peu Playmobil, si vous voulez, ouais. Voilà, ouais. L'antertron, vous prenez comme sur la gavotte, le bras droit au-dessus du bras gauche, à position moufle de votre partenaire. Et le pas, c'est jaune, vert, jaune, vert. Des dessins et de l'écriture, parce qu'on a vraiment travaillé les deux en même temps. On s'est vraiment mis en position sur chaque danse, sur chaque cadence, pour se dire
comment on va expliquer les pas de cette danse. C'est un petit peu compliqué, oui, mais si on dit des mots en même temps, en faisant les gestes et tout ça, ça va marcher. On a inventé des petites comptines qui permettent de comprendre assez vite, et très vite on se retrouve à danser presque sans s'en rendre compte. Oh là là, que j'ai mal aux doigts, un œuf à l'envers, un œuf à l'endroit, et oh là là, ça va, j'ai mal aux doigts, avec les pieds, que j'ai un œuf à l'envers, avec les pieds. Donc n'est pas un instrument traditionnel breton. Renan joue très bien de la bombarde par ailleurs, il aurait pu choisir la bombarde. Mais je pense que ça participe au décalage et à l'intérêt justement de se dire une culture ou une pratique n'a pas... Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de tomber dans l'intégrité, dans l'intégrisme, on pourrait dire, plus total. Et au contraire, voilà, la musique, c'est la musique. Le saxophone, c'est la musique. Et on peut très bien jouer des airs bretons au saxophone. On a même défini un personnage au bout d'un moment qui revenait souvent dans les séances de travail et d'écriture, qui était le psychorigide du coin, le PRDC. Par expérience, il y a toujours des gens qui sont un petit peu trop dans le respect de la pratique et qui finissent par rendre austère tout apprentissage. Le PRDC, on lui a fait une petite chanson. Alors les mots du genou, on n'a plus de mélodie ? Non ! Alors les mots du genou, on n'a plus de mélodie ? Ah, alors les mots du genou, ah bah voilà ! Et les molles de la guibole, on cherche enfin un sol ? Encore un musicien qui fait des facéties. Encore un musicien qui fait des facéties. Il y a un parfum derrière ce spectacle de lâchons la bride un petit peu, quoi. Finalement, je pense que quand le bal est fini, ce qui intéresse le plus Renan, c'est que les gens, ils aient qu'une envie, c'est de recommencer, plutôt que de se dire, voilà, j'en suis là dans mon apprentissage. Je crois que le but, là, c'est de s'amuser spontanément, par mimétisme, d'arriver à copier des choses que peut-être on ne ferait pas autrement. Et puis le moment présent, c'est aussi la fête, quoi. Donc voilà, c'est la fête. On apprend à faire la fête. Ça va, c'est bien. Le programme est bon. Thank you.